explorer le monde, l'univers, la lune. Non mais les gars, je suis dégoûtée. Je viens ici tous les matins pour voir le lever du soleil et je m'étais dit, oh, je vais ouvrir ce vlog avec un petit timelapse de lever du soleil. Et c'est la première fois en une semaine et demie que je suis là qu'il y a un paquebot, un énorme paquebot qui accoste en plein milieu du lever de soleil. Du coup, bah, on a loupé une partie, mais bon, c'est pas très grave, je reviendrai pour vous le montrer un peu plus en détail. Parce qu'on est le 28 octobre, il est après 8h là je pense, et on est à Lisbonne. J'y suis depuis une semaine et demie, j'y reste encore après 3 semaines, et ensuite on part 2 semaines dans le sud du Portugal, donc en tout à peu près 2 mois au Portugal. Donc vraiment très sympa, j'adore cette ville, je vous en parlerai un peu plus en détail un peu plus tard, mais je m'étais dit que ça serait sympa de vous faire un petit vlog. J'ai acheté un petit trépied, un petit micro-cravate juste ici. J'espère que ça fonctionne d'ailleurs là au moment où je suis en train de l'utiliser. Et donc pourquoi Lisbonne? Parce que je suis avec un de mes meilleurs amis, on est tous les deux auto-entrepreneurs, enfin on a notre propre entreprise. Et on avait un peu marre de la grisaille parisienne, évidemment, la grisaille française, surtout au mois d'octobre-novembre avec l'automne qui arrive, c'est jamais super. Et on s'était dit que passer 2 mois au soleil, ça allait être sympa. En plus on a des amis et mon copain qui vont venir nous visiter, donc ça va être vraiment très chouette. Et je m'étais dit que j'allais vous faire profiter un peu de ce voyage, vous faire profiter un peu de ce soleil aussi. Il fait un peu frais le matin, vous voyez, j'ai un petit pull et le soir, mais il fait honnêtement hyper bon la journée, on est en t-shirt, etc. Donc franchement, ça fait vraiment du bien à l'âme, ça fait du bien à l'âme et à l'esprit d'avoir un peu de soleil. Et durant ce mois-ci, je me suis mis au défi, entre guillemets, de lire aussi beaucoup de littérature portugaise que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu aucun auteur portugais. Donc voilà, j'en ai déjà lu un, je suis en train d'en lire un deuxième, donc j'ai hâte de vous en parler. Je ne vais pas vous en parler tout de suite pour pas que cette ouverture de vlog soit trop longue. Mais voilà, ça va être des petites vidéos vlog ces prochaines semaines qui vont être très centrées sur le Portugal, la beauté de Lisbonne, la beauté du Portugal et mes petites lectures et puis des petites sorties en librairie peut-être que je vous montrerai. Et voilà, je m'en vais travailler, il faut que je retourne travailler, mais c'est vrai que commencer sa journée au bord de l'eau alors qu'il fait bon et tout, être en pull, sans veste et voir un petit lever de soleil avant de partir faire sa petite journée de travail, c'est quand même très agréable. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, je sais pas quand vous regarderez ce vlog et je vous dis à tout à l'heure. Évidemment, je n'allais pas entamer ce voyage au Portugal sans ma fidèle liseuse, mon compagnon de toujours quand il s'agit d'aller à l'étranger et de continuer à lire tout simplement sans s'encombrer avec des kilos de livres. Et comme je vous avais dit dans l'intro, j'avais prévu de lire beaucoup d'auteurs portugais, beaucoup d'auteurs lisboètes pendant mon séjour. Et j'ai commencé avec un classique puisque j'ai commencé avec un livre de Fernando Pessoa. C'était un échec. C'est un échec, pas parce que c'était pas bien, mais j'ai lu Le banquier anarchiste
Et c'était très chouette, mais je n'ai rien appris sur la plume particulièrement de Fernando Pessoa, ni sur le Portugal, puisque c'est simplement une nouvelle très courte qui fait moins de 70 pages, et encore, il y a toute une partie qui correspond à des extraits ajoutés après la publication originelle du livre, et qui voilà, sont un peu des bonus, mais ne font pas partie en fait de la nouvelle initialement publiée. Et c'est hyper intéressant au niveau rhétorique, parce que c'est un banquier qui explique pourquoi il est devenu banquier tout en étant anarchiste, et pourquoi au contraire le fait d'être devenu banquier, c'est la forme la plus poussée d'anarchisme qu'il pouvait mettre en place au niveau théorique et au niveau pratique. Sachant que l'anarchisme, c'est vraiment la destruction de toutes les formes de fiction sociale et politique, donc c'est absolument contradictoire avec le fait de devenir un banquier et donc travailler, devenir riche, etc. en faisant fructifier l'argent qui est lui-même une fiction sociale. Bref, c'était hyper intéressant au point de vue rhétorique. J'ai beaucoup aimé parce que c'était assez drôle, il y avait beaucoup de contradictions, enfin la manière dont le banquier présente son raisonnement, et en même temps tu te dis ouais c'est imparable, et en même temps tu vois que ça tient pas debout, et c'est un jeu sur les mots, un jeu sur la rhétorique qui était hyper intéressante. Mais bref, c'était pas forcément le livre le plus pertinent par rapport à mon objectif de voyage, et je penserai à peut-être vérifier avant d'acheter hein, sur ma Kindle des livres au hasard d'un auteur comme ça. Ça peut être pas mal. Et sinon, beaucoup beaucoup plus pertinent par rapport à mon objectif de découvrir la littérature portugaise, j'ai commencé Relevé de terre de José Saramago. Alors j'essaierai de faire des petites recherches sur les auteurs après, que je vous insérerai dans des clips plus tard pour que vous puissiez savoir qui sont Fernando Pessoa et José Saramago, puisque je me suis renseignée, etc., mais j'ai pas trop toutes les idées, donc je pense que je vous ferai un petit clip un peu voilà, détaillant leur parcours d'écrivain, ça peut être intéressant. Mais dans Relevé le terre, du coup j'en suis à peu près à 20% du livre, et on y suit une génération en fait de paysans qui cultivent la terre dans une région autour de Lisbonne. Et on commence à suivre le père qui est alcoolique, etc. Très vite, on commence à suivre ses enfants, notamment l'un de ses fils. Et ça se voit, ça va être une histoire de famille, une histoire de paysans, une histoire de pauvreté, une histoire de précarité. Et la plume de José Saramago est extrêmement spéciale. Au tout début, il faut commencer à s'y faire. Et moi, j'ai eu un tout petit peu de mal dans les peut-être 5% du livre, le tout début, parce que les dialogues font vraiment partie de la narration, c'est-à-dire qu'il y aura virgule, le dialogue, ça reprend, virgule, etc. Il n'y a aucune ponctuation, enfin au contraire non, il y en a beaucoup trop, mais genre la ponctuation, il n'utilise pas tant les points, il utilise beaucoup les virgules, donc tout s'enchaîne, tout le temps, tout s'enchaîne, c'est une idée, virgule, un dialogue, virgule, une idée, virgule, un dialogue, et on a l'impression vraiment que le récit est à bout de souffle, surtout au début, et une fois qu'on s'y fait, on apprend, enfin notre cerveau en fait s'habitue au rythme et apprend à rythmer lui-même les phrases et les dialogues, etc. Et je trouve que ça devient beaucoup plus facile, mais je vous jure que les premières pages sont difficiles, ça vaut le coup de s'accrocher. Ça vaut le coup de s'accrocher parce que à partir du moment où on commence à découvrir un peu plus l'histoire du fils, donc à partir de 15% à peu près, je trouve que la plume en plus devient très poétique et hyper agréable, du moins la traduction évidemment. Je ne lis pas le portugais, je parle pas le portugais, et littéralement, à part Bom Dia et Obrigado, mes skills, même maintenant après 2 semaines, sont assez limités, on va dire. Mais j'avais surligné un passage que je vais vous lire. Est-ce que c'est celui-là? Oui. J'avais surligné un passage que j'avais trouvé magnifique, donc j'espère que ma lecture lui fera honneur. Mais il y a la guerre en Europe, ainsi qu'il fut déjà dit. Et la guerre aussi en Afrique. Ces choses-là, c'est comme crier sur une colline. Celui qui crie sait qu'il a crié. Parfois, c'est la dernière chose qu'il fait, mais là, en bas, on entend de moins en moins et on finit par ne plus rien entendre du tout. À Montélavre, on avait des nouvelles de la guerre uniquement par les journaux, et cela pour ceux qui savaient lire. Les autres, s'ils voyaient les prix grimper ou même si les denrées grossières de leur alimentation venaient à manquer, se demandaient pourquoi. C'est à cause de la guerre, répondaient les initiés. La guerre mangeait beaucoup, la guerre enrichissait beaucoup. La guerre est ce monstre qui, avant de dévorer les hommes, leur vide les poches, l'une après l'autre, piécette après piécette, afin que rien ne se perde et que tout se transforme, car telle est la première loi de la nature, dont on prend connaissance seulement plus tard. Et quand elle est repue de nourriture, quand elle régurgite à force de satiété, elle continue le geste répétitif de ses doigts habiles, prenant toujours du même côté, emplissant invariablement les mêmes poches. Bref,
c'est une habitude qui lui vient de la paix. Et vraiment, j'ai lu ce passage et je me suis dit, ok. Et c'était le premier passage où je me suis dit, la plume est exceptionnelle et les comparaisons, les métaphores que José Saramago fait sont extrêmement pertinentes, très poétiques. Ça parle souvent de la terre, c'est très ancré dans la réalité, ancré dans la réalité de l'existence, la froideur, la dureté de l'existence. C'est un livre qui est hyper dur à lire, hyper difficile, dans le sens où les personnages sont moralement, psychologiquement, financièrement, physiquement, ils sont mis à mal dans tous les sens du terme. Donc c'est hyper difficile et en même temps ça rend compte d'une réalité paysanne, d'une réalité ouvrière aussi, qui est hyper intéressante au Portugal. Et je trouve que c'est une manière d'apprendre un peu l'histoire du Portugal, en tout cas une partie de son histoire, de manière hyper intéressante. Donc c'est pas un livre que je lirai d'une traite, et j'en ai commencé un deuxième à côté parce que, je vous l'ai dit, le rythme est un peu lourd, hyper rapide, pareil, les thématiques sont lourdes. Donc je trouve que pour vraiment savourer le livre, il faut prendre son temps, il faut vraiment prendre son temps pour le lire, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ça va aussi très vite entre les générations, parfois en quelques pages seulement il y aura 10 ans de la vie de l'un de nos personnages. Mais je suis honnêtement très très agréablement surprise, et de nouveau c'était une plume que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais découverte. Donc je suis ravie de pouvoir découvrir un peu José Saramago durant mon petit trip au Portugal. Ça sera hyper sympa. Et à côté de ça, j'ai commencé... Comment il s'appelle ce livre ? La meuf a lu 19% d'un autre livre, elle ne se souvient pas de l'histoire. Mais j'ai commencé Notre part de nuit de Mariana Enríquez. Et je pense que vous avez dû le voir passer en librairie parce que il est énorme. Il est énorme, mais je trouve aussi qu'il est magnifique. Vous savez, il a cette couverture qui ressemble à un tableau de la Renaissance avec un homme qui fait comme ça avec les cheveux un peu bouclés roux. Je trouve que la couverture est incroyable, mais le livre est épais comme ça, en grand format. Je me suis dit, c'est impossible à lire, donc j'ai profité d'être à l'étranger avec ma liseuse pour commencer cet ouvrage. Et donc j'ai lu 20% de ce livre déjà, mais je vous en parlerai je pense dans un autre clip, parce que malgré ces 20% de lu, j'ai pas grand chose à vous en dire encore, donc j'attends d'avoir un minimum d'avis à développer pour vous en parler. Mais en tout cas, je suis ravie de mettre à profit ce petit voyage pour découvrir des auteurs et autrices. Faudrait que je rajoute une autrice à ma liste, ça va élargir mes horizons, et j'espère un peu les vôtres, hein. À tout à l'heure. Je vous mets aussi quelques photos de ma visite à Sintra, c'est une ville à côté de Lisbonne à 30 minutes environ, qui est absolument magnifique, il y a plein de choses à visiter, un château, un National Palace, et en bonus on a eu un petit concert de piano dans un manoir gothique, c'était trop stylé. Non mais les gars, si vous allez au Portugal, je vous conseille grave de prendre ça là, les Traveiros de Sintra. Tout le monde connaît les pâtisseries, la pastis de nata, qui sont hyper bonnes. Franchement, je crache pas dans la soupe, mais ça à Sintra, qui est une ville à côté de Lisbonne, je vous jure que c'est délicieux. Qui va se régaler, c'est Bibi. Je jure, c'est trop bon. Je sais pas si vous voyez. En gros, il y a une petite crème d'amande hyper bonne à l'intérieur. On dirait de la tropézienne couplée avec de la galette de roi. Je jure, c'est délicieux.
me suis fait une petite sortie en librairie et je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté ce recueil de poèmes avec des poètes lisboètes. Et en fait, c'est une version bilingue. Donc vous avez la version en portugais et la version en français avec, hyper intéressant, des petites fiches de personnages sur les poètes. Et j'ai trop hâte de découvrir ça. Vous avez Luís de Camões, Cesário Verde, Mário de Sá Carneiro, ma prononciation doit être absolument ignoble, Florbella Espanca et Fernando Pessoa. Donc voilà, super objet livre, petite édition bilingue de poésie. J'ai trop hâte et en plus, je la trouve absolument magnifique. Je la trouve vraiment très belle. Hey hey, je vous avais dit que je vous referais un clip pour vous parler de José Saramago et Fernando Pessoa pour qu'on en découvre plus, vous et moi, sur ces auteurs portugais. Et donc, José Saramago qui a écrit Relevé de terre, donc le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est le prix il a été prix Nobel de littérature, donc excusez-nous du peu, prix Nobel de littérature, et c'est d'ailleurs le seul auteur lusophone à avoir eu le prix Nobel de littérature. Malheureusement, il est décédé en 2010, mais de ce que j'ai pu voir, il est surtout très connu pour deux ouvrages qui sont L'aveuglement et Le chant du manchot. Et je crois que souvent, L'aveuglement fait partie des 100 livres à lire dans une vie, et Le chant du manchot parmi les 150 meilleures œuvres lusophones du monde. Donc, ce n'est pas peu, je comprends vraiment l'attrait et la particularité de cet auteur. Et je vais vous lire d'ailleurs ce qu'on a dit sur lui quand il a eu le prix Nobel de littérature en 98. Il a été récompensé pour avoir, grâce à ses paraboles soutenues par l'imagination, la compassion et l'ironie, rendu sans cesse à nouveau tangible une réalité fuyante dans une œuvre aux profondeurs insoupçonnées et au service de la sagesse. Si un jour j'écris des livres et qu'on dit ça de moi, je peux mourir en paix. Et donc il a eu une percée assez tardive dans la littérature, mais une fois qu'il l'a fait, il l'a pas fait à moitié, puisque ses œuvres sont quand même assez satiriques et dénoncent pas mal des régimes politiques autoritaires, la religion, etc. Et donc il a dû s'exiler en Espagne avec sa femme à un moment. Donc on le ressent quand on lit, on le ressent énormément, mais il y a une très forte portée politique dans ses œuvres, sociale aussi. Et vraiment, ce côté grande fresque familiale de Relevé de terre, ça me fait penser à Zola. Pas du tout au niveau de l'écriture, mais au niveau du ton, de la satire, de la société, comment on va s'attarder sur des détails, mais en même temps, en dépeignant une fresque absolument gigantesque d'une simple et même famille, ça me fait penser un peu à du Zola portugais. Donc si ça vous convainc pas, je sais pas quoi dire. Et du coup, passons à Fernando Pessoa. Lui, pour le coup, il est quand même plus connu internationalement que José Saramago, parce que c'est vraiment un auteur qui représente le modernisme du Portugal, le modernisme de la littérature portugaise. Apparemment, il est très connu pour sa prose poétique, ses vers un peu mystiques, donc chose que je n'ai pas du tout découvert évidemment dans Le banquier anarchiste. Je pense que Le banquier anarchiste représente un peu plus son penchant, je crois même que c'est l'inventeur du sensationnisme. Et je crois du coup, pour résumer un peu ce que j'ai pu lire, c'est une façon de penser qui va plus loin un peu que l'empirisme et qui se dit que il n'y a pas d'idée innée, il n'y a pas de capacité mentale innée, que tout est de l'acquis, quelque chose comme ça, bref. Donc il y a un très fort penchant philosophique apparemment dans le travail de Fernando Pessoa, je pense que c'est ça que j'ai découvert un peu plus avec Le banquier anarchiste, mais apparemment sa prose est exceptionnelle. Après là, il y a moyen que je dise des bêtises parce que je vous cache pas que la philosophie c'est pas mon point fort dans la vie, et quand j'ai lu la page Wikipédia, j'étais en mode ok, on va se cantonner à la littérature classique. Alors ce qui est hyper intéressant avec Fernando Pessoa, c'est qu'il a utilisé plein d'hétéronymes et de pseudonymes au cours de sa carrière, et qu'en fait, sous chaque pseudonyme, il va écrire et réfléchir de manière un peu différente. Donc il y a des tons, des styles d'écriture différents en fonction du pseudonyme, alors que c'est toujours le même gars derrière. Et j'avais la liste des pseudonymes, mais en gros, il a écrit sous le nom d'Alberto Queiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos, Bernardo Soares, et plein d'alias encore, genre 72 apparemment. Enfin bref, c'est énorme. Ce qui fait qu'en gros,
Il a créé une œuvre hyper complexe autour de la littérature en général, en s'essayant à plein de genres, à plein de styles, à plein de pattes en fait littéraires différentes, et je trouve ça hyper intéressant. Pour le coup, je savais pas du tout avant de faire mes petites recherches pour faire ce clip qu'il avait autant de pseudonymes, et ça me pousse à vraiment peut-être en lire un de chaque pour voir où ça diffère et comparer par moi-même un peu comment il a pu jouer avec les mots, comment il a pu jouer avec le style. Je trouve ça passionnant d'avoir une démarche un peu rationaliste comme ça, de la littérature qui est très dans l'émotion souvent. Franchement, ça m'intrigue énormément. En sachant du coup que Fernando Pessoa a écrit un peu de fiction, dont Le banquier anarchiste faisait partie, mais surtout beaucoup d'essais, beaucoup de poésie. Donc c'est un auteur vraiment très classique. Il était assez mélancolique, etc. Et je trouve quand j'ai lu un peu sa page Wikipédia avec toutes les infos, il m'a fait penser à Baudelaire au niveau spleen. On dirait vraiment que c'est le spleen portugais. C'est un auteur qui a l'air hyper intriguant, hyper mystérieux, hyper complexe, et ça donne trop envie de découvrir un peu plus de ses œuvres. Donc voilà, hein. Si j'en découvre d'autres au cours de mon voyage, je vous en ferai part. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas de côté. Mais c'est tout ce dont je me souviens, donc j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ces auteurs. Et en attendant, je m'en vais continuer mes petits ouvrages. Je ne pense pas que j'aurai fini avant la fin de ce vlog de la première semaine, mais dans tous les cas, je vous updaterai au fur et à mesure. Bonjour les amis, alors on est mardi aujourd'hui, donc je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous voyez derrière moi, le montage est en route, le montage est quasiment terminé, et au moment où je vous parle, vous l'aurez le lendemain, donc mercredi 3 novembre normalement, et demain je démarrerai un nouveau vlog, et j'essaierai de vous sortir comme ça une vidéo par semaine, une vidéo de vlog par semaine pour vous proposer un peu de contenu sur ma chaîne pendant que je suis un peu loin, on va dire. J'ai pas terminé les livres que j'avais commencés, j'espère pouvoir vous donner un avis un peu plus construit sur au moins un des livres la semaine prochaine. C'est vrai que je lis pas énormément en ce moment parce que on en profite pour visiter beaucoup, dans mon temps libre je travaille et parfois je suis vraiment fatiguée le soir parce qu'on a fait tellement de choses dans la journée que c'est vrai que me mettre devant une série c'est un peu plus attractif, on va dire, que de lire. Mon cerveau est un peu cramé, on va dire, parfois. Mais cramé dans le bon sens, cramé de bons souvenirs, cramé de bonnes émotions, de vibes très positives. J'adore vraiment la ville de Lisbonne et je prévois de vous en parler un peu plus dans le prochain vlog parce que vraiment cette ville est absolument exceptionnelle. Il fait bon vivre, la vie est très douce ici. Donc voilà, je viens vous faire un petit bisou, clôturer ce vlog. Vous souhaitez plein de belles choses et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. La meuf, elle fait un truc à la fin de toutes ses vidéos et là, elle oublie. Normalement, je suis censée finir par... À la prochaine !